Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne QC Bookgamers. J'ai rien à dire. Fait qu'aujourd'hui, on se retrouve pour un deck de Keyforge. Comme vous pouvez voir dans le titre. Un petit deck de Keyforge. J'ai une petite chose à dire. J'ai eu des decks, j'ai acheté des cartes de hockey comme vous pouvez aller voir dans la vidéo. Puis il y a quelques cartes qui valent. Il y en a une qui vaut 30$, puis l'autre 25$. Probablement les autres, un petit 10. Il y en a certains qui valent peut-être 10. Puis c'est les duos. J'ai appris qu'il y avait une certaine valeur. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait une certaine valeur. Je savais pas. Puis il y en a une à ce moment-là, c'est McDavid puis Dreisel. Elle vaut au moins 70$. Je pensais pas que les duos auraient valu plus que les autres. Parce que je trouve que c'est sont moins belles que les clean cuts, ceux qui sont comme en plastique. Que tu vois à travers. Là. Mais c'est ça. Fait que. Sans plus attendre, on va commencer ça tout de suite. Let's go! Fait que. On va commencer ça. Tout de suite! Ouvrir ce magnifique deck. Fait que Sanctum Shadow Brahmnar, the Endormite that yearn for power. Yearn. Ah bon. Puis je me suis fait un nouvel objectif d'avoir au moins un deck par semaine de Keyforge jusqu'au prochain set. Au prochain set, on va sûrement revenir en force. J'en étais en fin de 7, c'est un peu normal que j'ai ralenti un peu les openings de Keyforge. Fait qu'on commence avec Shadow Magnum Knife. Comme à chaque fois, si vous voulez lire ce que les cartes font, faites juste pause. Oh, miasma 3 fois. Et Sanctum. Destroy any good number of friendly creature. Gain one for each creature destroy this way. C'est une rare. Ça donne un Ember. Ça peut être bon. Mais. Me semble que j'ai jamais vu de ça. C'est le. Gain one to a maximum plus for each house presenting that one card in play except. Ok. Ça l'ai déjà eu. Ça, si vous avez pas vu mon pack opening de Tim Horton, allez le voir. Probablement en faire un autre. Un autre trois fois. On va en faire un autre cette semaine ou la semaine prochaine. Puis fallait voir mes vidéos de Borderlands 3 aussi. C'est très. Je suis rendu quand même assez loin. J'ai bientôt fini. Je crois bien. Borderlands 3. Fait que là, c'est. C'est pas un mauvais deck. Il y a quand même beaucoup de. Je vais juste checker de même. Quand même beaucoup de Doom. Il y a Miasma 3 fois. Il y a Lion Bitrim 3 fois. Quelques doubles par-ci, par-là. Fait que je crois que c'est un très bon deck. Deal 2 to a creature and with one slash. C'est quand même assez bon, ça donne un burn. Fait que tu peux faire quelques bobos pareil. Il n'y a pas du gros steal pis du gros capture. Non, ça. Ah, it's capture ici, mais c'est pas le plus gros. C'est un très bon capture, mais je dis, j'allais juste une fois. Fight, you're gonna lose one. Ok.
Je crois que ça peut être un très bon deck. Et de là à dire que ça serait un deck de compétition, je ne crois pas. Fait que, on s'abonne, on partage, on like, puis on n'oublie pas d'aller voir les autres vidéos sur la chaîne. J'ai d'autres Keyforge Unboxing. Fait que, vous pouvez aller voir ça. Fait que, même si ça fait 5 mois que j'ai fait le unboxing, ça change pas grand chose. À part peut-être ce que je vais dire, peut-être que je vais connaître moins les decks pour le 5 mois qu'aujourd'hui. Mais sinon, vous regardez le deck, puis ça revient au même que si je l'ouvrais là. Fait que, vous pouvez aller revoir mes anciennes vidéos. Puis, moi, je vais essayer d'en refaire. Ça devrait sortir début novembre, fait qu'il resterait à peu près un mois. Il devrait avoir au moins 4, minimum 4-5 decks de Keyforge, encore une fois, de ce set-là. Le prochain set, je vais essayer d'augmenter à 2, 3, 4. Non, 2, 3 decks par semaine. Je ne vais pas dire trop, là. Mais 2, 3 decks par semaine environ. Puis, il faudrait que j'essaie de faire une cédule, là, quelque chose de genre. Telle journée, c'est un jour du Keyforge. Des affaires. Là. Fait que, abonnez-vous, partagez, likez. Ciao, à la prochaine. Abonnez-vous.